ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement 30 matchs et finir à tenir les barrages à domicile, et c'est une performance. Il y a pas de, je veux dire, on ne peut pas mentir dans ce championnat. Voilà, c'est un championnat qui est beaucoup trop long pour mentir, et que on est payé de son travail. Voilà, je ne sais pas comment Jet tu le traduiras ça. On s'est payé, c'était un peu l'objectif, mais on s'est payé. Voilà, il n'y a pas de. J'ai pas envie de dire autre chose. Voilà. J'ai envie de dire c'est une sacrée performance de tenir cet objectif de qualification et en plus d'avoir cette cerise du barrage à domicile. Voilà. C'est juste incroyable ce que vous avez fait. Donc je ne sais pas si tout le monde l'a compris. Là. Il faut qu'on suxe les limites qu'on décide de suxer, les mecs. Voilà. Pour moi, vous avez gagné aujourd'hui un match clé, c'est pression de résultat. Mais hormis sur le secteur, on va dire, de l'état d'esprit, peut-être la touche défensive, l'organisation sur les sorties de camp n'a pas été excellent, on le sait, c'est pas notre meilleur match. C'est pas notre meilleur match, vous n'êtes pas réellement marqué. Voilà, on n'a pas laissé, le moteur sur le terrain aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut se préparer à un match difficile la semaine prochaine, mais il faut se préparer à regagner, tout simplement. Voilà, il ne faut pas se fixer de limites ou de date limite. Il faut se préparer à regagner. Voilà. Et que le match prochain, certainement qui sera bien plus difficile que celui-ci. Voilà, l'intensité, le rythme sera bien supérieur. Je pense que Mont-de-Marsan, ils en ont aussi sous la pédale, mais nous, on en a beaucoup aussi. On sait qu'on peut être bien meilleur, notamment sur nos possessions, certains retours au jeu, des choses comme ça. On peut développer encore plus d'énergie dans le jeu au contact aussi, qu'il faut se mobiliser par rapport à ça. On ne doit pas se fixer cette limite du barrage à domicile, simplement ça. Voilà. On dira adieu aux supporters, aux gens qui viennent au stade, mais ça sera simplement un au revoir. Mais nous, il faut qu'on se revoie dans 15 jours. Voilà. Il faut qu'on soit sur le match dans 15 jours. Ok? Maybe our challenge is not to play only one game at home. Okay, we will play at home. It's a good feeling with the atmosphere and the fans. But we have to prepare the game to win and to play maybe at Brive or Oyonnax. Okay, it's our challenge. Voilà. Je voulais féliciter aussi le médical et les prépas parce que. Une équipe comme la nôtre, qui n'est pas une équipe programmée pour jouer forcément les matchs de play-off, finir le championnat avec autant de joueurs disponibles, autant de fraîcheur, vous finissez un match, vous êtes quasiment prêt à jouer encore 30 minutes, gainage, j'en suis sûr. C'est que d'abord, ces gens-là ont fait leur boulot. Et que pour moi, c'est aussi qu'on est prêt à jouer. Voilà, c'est aussi qu'on est prêt. On n'a pas laissé le moteur sur le terrain aujourd'hui. Tout n'a pas été parfait et vous savez tous qu'on peut tous faire un peu plus en termes d'énergie. Donc ça veut dire que cette semaine-là, on va vous envoyer le planning, il n'y aura pas à avoir de modif. Certainement qu'on s'entraînera que le matin, il n'y aura rien du tout l'après-midi sur le planning avec certainement l'under pressure. Vu qu'on joue dimanche, vraisemblablement on aura l'under pressure le vendredi, le team one samedi. On est tout à fait capable de faire une performance supérieure à celle-ci en termes d'énergie. Voilà. Je sais que vous avez tous envie de passer du temps avec les supporters et fêter ça, mais le fait de partir tout à l'heure faire récup et manger ensemble, c'est pas une punition, les mecs. Hein, vous savez bien, là, vous pouvez aller boire quelques bières avec les supporters, vous l'avez mérité. Mais le truc, c'est qu'on a une semaine à vivre d'entraînement et on a encore une semaine à préparer. Voilà. C'est pas le dernier match de la saison. Donc, on a dit on se dessoudra si vous vous dessoudez, mais on attend le dernier match de la saison. Donc là, c'est une petite parenthèse. Profitez de vos supporters, profitez de vos familles, même si certains viendront au resto. On monte ensemble dans le bus, vos familles vous rejoignent en voiture. Et de là, vous partirez soit avec le bus, soit avec vos familles, comme vous voulez. Ok, Emeric vous donnera les textos. Ok, it's not a punishment to go to the swimming pool and with family at restaurant at Bannister. Ok. It just we need concentration and rest for the next game. Okay, so you spend maybe one hour, maybe half an hour with the fans. You can drink some beers, but not too much. Not too much. Okay. And when we go home after the restaurant with family,
No extra night.